Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, et oui, vous l'avez bien vu, c'est une nouveauté, la miniature. Voilà, petite nouveauté de cette saison, hein. Je me suis dit, il est temps d'afficher une image un peu plus belle, ou au moins moins moche, lorsque vous voyez la vidéo. Vous l'avez déjà vu, on va jouer lors de ces sessions. Corinthe, donc, dans la campagne Kourou de Sparte. Alors, dans cette campagne, je crois que j'ai gagné déjà avec la Ligue Béotienne et Sparte. Et ouais, on va se faire un petit Corinthe, hein. Donc, année de départ, on rappelle 300, 432. Quelques années, il me semble, après l'invasion perse. Alors, qu'est-ce que sont nos bonus? Amour d'Aphrodite, donc plus 4 à la croissance dans toutes les régions, toutes les provinces. Ah oui. Plus 15 de vitesse des navires dans les batailles. Ah ouais, quand même. Ah, c'est même mieux que Athènes, ça. Hein. Alors, on produit moins de navires qu'Athènes, mais ils sont plus badass, du coup, ils sont plus rapides. Il faudra s'en servir, ça. Et. Oui, on a des difficultés de jeu normales, hein. On va pas se prendre le chou. Et c'est parti. Petite intro très sympa, je trouve. Pour lui prendre ses possessions insulaires. Une fois qu'ils auront le contrôle,
Voilà. Alors, quelques infos à savoir. Est-ce qu'ils les disent là de suite? J'ai pas l'impression. Il n'y a pas des règles spéciales qui ont été énoncées à un moment? Non. Alors, bah je vais faire un petit récap. Grosso modo, ils ne font pas faire tomber les capitales que sont Athènes, Sparte, Corinthe et Thèbes. Parce que si on le fait, on sera très mal vu en fait par les autres factions. Et en fait, on se prendra déclaration de guerre sur déclaration de guerre. Enfin, pas ouf. Alors, oui, à chaque fois, on a un petit. C'est vrai qu'on a un petit topo sur la ville, la région. C'est vrai que c'est sympa. Voilà, je vous laisse le lire, mettre pause hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Mais actuellement, donc, on a Ambracie, donc avec Pronoi, Anactorio et Ambracie. Si, du coup. Ah, ça va, là c'est la ville fortifiée qui est juste au nord, donc ça nous permet de pas trop se prendre tête. Alors on a des jolis hoplites, ils sont beaux. Hein. Hop, on a un amiral, on commence avec énormément de flotte. Hein. Et énormément de partis politiques également, de ce que je vois. Ici on a des ennemis, voilà. Donc on va s'avancer. Avec eux, on va patrouiller. Pronoi, ils sont assez vulnérables, hein, pas grand monde. Un peu de milices de hoplites, quelques javeliniers, mais bon. C'est pas formidable. Après, on a un bon moral. Je vais faire philanthropie noble. Ça me coûtera moins cher lors de la construction de bâtiments. On a Olynthe. Qui est perdu au milieu de nulle part, au milieu de. Entouré de la Macédoine. Hein. Et d'Athènes. Bon, la Macédoine n'est pas en guerre, heureusement. Mais d'Athènes, contre qui on est en guerre, donc. Ah oui, c'est vrai. Les recrutements sont plus longs. On peut voir, hein, deux tours. Là, on monte un ministre de Hoplite, c'est deux tours également. Voilà, vu qu'on est entouré. Voilà. Vache, le nombre de territoires qu'il a à Athènes, c'est abusé. Eh ben. On a effectivement hein, également Corinthe. Ah, y a pas le canal de Corinthe là, dommage. C'est vrai qu'il aurait pu être utile. Et on a Naupacte. Naupacte, je sais pas dire. On a des alliés, on est allié avec Sparte, ça c'est plutôt une bonne chose. On est allié avec Élis. On est en guerre contre Rhodes, ouais, je crois qu'elle est alliée avec ça. Est-ce qu'elle est alliée avec Athènes? La Ligue Béotienne, on est allié également. On va faire un petit accord commercial. Hein. On a rien de spécifique. Agros, on n'a rien de spécifique. On le fera peut-être tomber hein, d'ailleurs. Hein. Même à mon avis, on va aller le faire tomber. Voilà, ça fera du verre, un peu de nourriture, c'est pas très très mal. Qu'est-ce qu'il a lui? Conversion, il dit sur le pain des jeux. Je vais l'emmener là. Je vais l'emmener là et. Ah oui, c'est leur compte, oh, c'est pas grave. Et j'emmènerai à Argos, hein, le tour pour. Oui, c'est ça, Argos. J'ai cru que je faisais une erreur dans le nom. Pas du tout. Ok. Ici, je vais développer. Faire de la nourriture parce qu'on voit que niveau nourriture, c'est pas formidable. Un bâtiment, pareil, c'est un peu différent. Ça peut se voir. Oh, le temple de Poséidon, beaucoup d'ordre public. Oh, plus 16. Ouf. Des grosses statistiques ici. Colonie minière, forcément, ça rapporte beaucoup, ça coûte cher également, mais bon.
Et on fera pareil une colonie minière ici. Ah, on est déjà au max. Parfait. Là, j'aimerais bien monter une flotte. Ouais, c'est pas mal, hein. Unité à distance, voilà, je vais monter une flotte, on sera bien, parce que là je vois qu'il y a deux flottes ennemies. Faire attention, faire très attention. Et je me souviens bien, voilà. Il y a Zakynth ici, qu'il faudrait peut-être aller chercher. Au niveau des technologies, est-ce qu'on fait une caserne de l'Ossideros ou... Épistémologie, je préfère épistémologie dans un premier temps. On se calme. Je crois que j'ai pas d'argent pour le marier, lui, hein, d'accord. Je le marierai un peu plus tard, c'est pas grave. Et on va enfin pouvoir passer le premier tour. Un tour très long, ma foi. C'est avec honneur que j'apporte mes cadeaux. Et pourquoi vous éloignez-vous ainsi? Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas en guerre contre Athènes. Ah si, voilà, je cherche. Non, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse actuellement. Ah, voilà, pour vaincre un ennemi commun, des alliés non naturels doivent se battre ensemble et prendre des mesures drastiques. Cependant, l'expansionnisme n'est pas bien vu dans le monde grec. La capture des capitales comme Athènes, Thèbes, Corinthe et Sparte causera de sévères pénalités diplomatiques. Ouais, je crois que c'est moins 300 quand même. À la place, essayez plutôt d'influencer essayez d'user l'influence ennemie en attaquant leurs petites possessions. Reprendre votre capitale n'engendrera aucune pénalité. Voilà. Très bien. Donc là, il monte une petite armée. Voilà, eux, il me semble qu'ils sont en paix avec personne. Unité culturelle, ou oh, c'est quoi? Je préfère m'en débarrasser une bonne fois pour toutes, sauf si eux là ils veulent. Non. Voilà. Alors, juste avant, je vais voir l'objectif. Arc classique. Corsite, ouais. Et contrôler 4 provinces. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer. Ici, dans un premier temps, je vais recruter deux archers. Et là, je vais faire un blocus de cette ville côtière. Voilà. On voit qu'on n'a pas beaucoup de revenus, ça va être long. Ça va être très long. Et surtout, il va falloir défendre Olynthe, et ça va être tendu, hein. Ça va être très très tendu. La cavalerie, elle va pas être de trop. Hein. Elle va clairement pas être de trop. Ok, printemps. L'exil d'Apollon s'achève et tous ressentent la puissance revigorante de son char flamboyant. Vos armées émergent de l'hibernation, affaiblies et pâles, mais leur ardeur guerrière demeure fougueuse. La terre, chère de Gaïa, est molle, prête à recevoir les graines de nombreuses cultures. Cependant, elle ralentira la progression des troupes, forçant les généraux à peser chacun de leurs mouvements avec un soin médical. Bon, je suis dans la mer, il n'y a pas trop besoin là, je pense. Non. Ok, faisons un blocus. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée que j'ai eue. Au pire, je partirai, c'est pas très grave. C'est juste pour mettre un peu la pression. Alors, on va débloquer une caserne de l'Ossideros. Ici, oui. Je vais pouvoir aller à Corcyre. Ok, les fils de Réa, très très bien, très 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 bien. On va aller là-bas. Est-ce qu'il y a des ennemis pas loin? Non. Même ce que je pourrais faire, c'est. Ah oui. Ah oui. Je vais me changer, mais. Je vais récupérer mon armée, on va se déplacer à Corcyre tranquillement. Et au besoin, on recrutera un petit peu de mercenaires.
Alors, je vais juste voir, est-ce que je peux construire quelque chose? Non. Lui, je vais lui dire. Moins de coûts de recrutement, c'est très bien tout ça. Ouais. Effectivement, ça vaut pas le coup de la jouer, on va faire une petite retraite. Exactement, par contre, nous reviendrons. Puis on va faire un petit peu de recrutement, hein? Ah, on avait un pack de non-agression avec les Perses. Alors que ça a plus d'ordre du public, parfait. Allez, on va recruter de l'hoplite et quelques archers. On a pour 4 tours quand même. Qu'est-ce que tu me fais là, toi, ici? Ai-je besoin d'avoir aurais-je besoin d'un espion pour un voler de la nourriture, mais deux tuer ce garnement, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Allez, on s'avance sur Argos. Allez, on fait un fort. On lui déclare la guerre. Voilà. Ça fera un tri parmi nos alliés. C'est pas plus mal. Ah, c'est bête ça, ce que je viens de faire. Voilà, Athènes et son truc là qui va encore me retirer des unités. Surtout là où ça met du temps. C'est un peu compliqué. À corrompre l'unité. Ah, sérieusement, c'est pire que moche. Hein. Oh bah attends toi. Toi t'avances pas trop, tu vas voir ça te faire drôle. Voilà, on fusionne les deux. Tu vas voir. Lui, là, à me corrompre mes unités, ça, quand même, ça recommence, hein, j'ai envie de dire. Puis bon, il est en guerre contre tout le monde, mais il vient sur moi. Donc ça, c'est classique, par contre. C'est le focus du bot. Voilà, je recrute un espion. Je ferai un assassinat dès que possible. Alors, excusez-moi, je vais mettre pause. Et c'est reparti, désolé, une petite interruption, imprévue. Technologie, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok, des bonus, des bonus, des bonus. Ah non. Ok, on va mettre ça en appât. Ça peut être utile en vrai, les béliers de bronze, cuir impérial, tout ça, on va prendre. On prend, ça peut être très utile. Où est-ce qu'on était? Ah oui, c'est vrai. Lui, on se rapproche. Voilà, le but, c'est qu'il vienne nous attaquer. S'il veut bien. Vous connaissez la fameuse technique des forts, hein? Ah, c'est pas vrai, mais lâche-moi un peu le derrière, quoi. Oh là là, ils vont tout me dissoudre. Ah, c'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est vraiment pourri ce truc. J'ai l'impression qu'on va encore tomber sur un bug. Pourquoi? Parce que ça. Parce que je vois que là il y a les, il y a les flottes. Donc là je suis dans mon fort et à 100%. Allez, je vous parie à 95% que je vais pas me retrouver dans un fort. Je mène la bataille sur le champ. On regarde, on regarde. Ouais, voilà, bon, ce bug c'est hors de question. Je recharge la partie juste avant le tour. On se retrouve de suite.
On y revient du. Alors. Bon, ça sert à rien que je m'avance, vu que là, ça me suit comme la peste, ce bordel. Ouais, je vais retourner là-bas, hein, ça sert à rien. C'est infâme, c'est juste chiant. Voilà. Désolé, j'ai pas d'autres mots, c'est chiant. On peut pas mettre en place. Pas mettre en place la stratégie à cause de à cause d'un bon bug. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein. Hop, allez, on va aller faire mourir de faim, écoute, hein, à défaut. Voilà, bien se mettre entre les deux, comme ça on aura la vue sur les deux. Et ici, alors on va pas passer par là, ça sert à rien. Voilà. Que se passe-t-il ici? Bah ça me pille forcément, hein. Bah, ils ont raison, ils sont 7, on est 8. Hop, je vais m'avancer, je vais faire une embuscade. Voilà, on va faire une petite embuscade ici, si on peut éviter de se faire piller gratuitement, ça serait sympa. Flotte, ben non. On va éviter. Une unité d'archer, c'est embêtant. Et voilà, c'est une petite armée là qui devrait tenir le choc. Là, la tête de leader, on est pas trop mal. Allez, on continue. L'embuscade qui marche parfaitement. Voilà, c'est ce qu'on aime. On a plus de cavalerie, mais on a moins de. Agressif, voilà, ça lui fera des pertes. Bienvenue chez moi, l'Athénien. On relâche, pourquoi? Parce que on a vraiment besoin d'argent. C'est toujours la même galère. Alors j'accepte, hein, malgré que ce soit des gros lâches. Voilà, hein. Sparte, les lâches. Intéressant. Intéressant, je prends. De grosses pertes de leur côté. Même principe, je relâche. J'ai pas eu de perte, donc c'est tant mieux. Voilà, et en plus on développe bien nos navires. Ça c'est très très bien. Alors, on va s'approcher. Je vais dissocier. Voilà, on fait sortir en plus leurs unités. Oh, j'ai perdu une unité de ma flotte, pas très grave. Voilà, ici t'encercles. Ici, oh, c'est toujours une galère. Voilà, on fait un blocus. Et on va attaquer avec ma flotte. Voilà. Qui du coup prendra un peu plus d'expérience. C'est très bien tout ça. Puissance d'attaque. On remonte un peu les tirs, ça fait toujours plaisir. Stratège, est-ce que j'ai un truc? Administration, éclaireur, ouais, pas fou, hein. Ouais, y a rien. Dehors des regards de vos voisins, les batailles de nuit, ça c'est bien. Non, ça c'est pas fou. Oh! Apprendre ça. Combattant. Ah! On peut en faire un autre, très bien. Pas de problème, au contraire, la mienne. Les champions de l'Olympe, on les met là le temps. De stabiliser un peu le bonheur. On va le faire commandant lui. On profite pour augmenter la colonie. Là j'ai vu qu'on peut encore l'augmenter, ça me va. Hein. Chef, plus de morale. Et je retournerai à Nakactorio. Nakactorio.
C'est quoi cet accent chelou? Oh, j'ai commencé à faire un accent un peu bizarre là. Les casernes de Holocideros. Très bien. Est-ce que j'ai la portée pour aller les chercher? Oui. Exactement, t'as tout compris. Pas de quartier, mode équilibré. On relâche pour l'argent. On peut magnifiquement développer l'armée. Ici, ça sera un stratège. Voilà. On s'en aura de tout. Marche forcée. Voilà, quand même. Tac. On est très bien hein, pour l'instant. On est vraiment pas mal. Hein. Je vais lever, je crois, une deuxième espionne. J'avais pas un qui. Ah non, c'est l'inverse. Bon. Du coup, je vais partir sur l'éducation. Je vais changer un peu mon. Ouf, il n'y a pas d'enfant. Ouh là là. Je vais changer ma direction de technologie juste au début. Et partir sur l'éducation. Quoi? Mais tu sors d'où toi? Oh là là, il a monté toutes ses armées terrestres autour de moi là. Je l'ai pas vu venir. Plus il a pris des bonnes unités. Hein, Fais chier. Ah, je perds aux lintes. Ça, c'est pas bon. Après, c'était sûr, j'étais entouré par l'ennemi, donc. Ça m'étonne pas. Pas que de demander agression. Pas de suite. Alliance militaire. Ah, mais eux, c'est des gros lâches. C'est pareil. Oh, ils se sont fait prendre de. Putain, et même les Spartes, ils se font bouffer, quoi. Le commerce n'est plus possible. Ah ouais, bah oui, c'était leur seul port. Putain, pardon, purée, ils vont y perdre. Bon. Ah les gars, va falloir du mercenaire, hein. Va falloir reprendre nos villes, hein. Ça va coûter cher. Ça coûtait cher, mais ça lui coûte très cher aussi, hein. Il a perdu une armée, hein. J'ai perdu ma cavalerie légère, mais c'est les unités qui sont pas mercenaires. C'est moche. Alors on reprend, il n'aura pas le temps de modifier. Ça me va. Et je vais lui prendre Mandé du coup. Hein? Parce que si j'arrive à garder Olynthe, que je prends Mandé et Toronée, là par contre je les garde. Je les garde même plutôt pas mal. Hop. Un blocus ici. Deux fois rien. Voilà. Avec eux, bah. Et on les finit, hein. Voilà. Ça me va. Et direction. Direction Pronoï d'ailleurs. Ah, ça sera mieux. Parce qu'on ira sur Zakynth. Et c'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui pour ce premier épisode. Hein. Compliqué le début, on est un peu éparpillé, c'est pas facile. Malgré tout, j'espère que cet épisode vous aura plu. Oh. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Faites-moi un retour, s'il vous plaît, sur la miniature. C'était Tiob. Ciao!